du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplé, ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 avril, samedi après la fête de Pâques. Nous continuons dans cette joie de la résurrection de notre cher Seigneur. Dans la parole de Dieu de ce jour, le Seigneur nous parle de la résurrection, sa résurrection à lui. Le premier jour de la semaine, nous dit l'Évangile. En étant attentif, on se rend compte qu'à la fin, Jésus envoie ses disciples en mission pour proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Dès le début donc, l'Église a compris que ce jour, c'est-à-dire le dimanche, est celui de la nouvelle création inaugurée par le Christ. Le premier jour de la semaine, nous a-t-on dit. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est le jour de la nouvelle naissance. C'est le jour de la création inaugurée par le Christ Jésus. Et c'est pourquoi, pour nous chrétiens, le dimanche est un jour tout particulier. C'est le jour du Seigneur, en référence à la résurrection que Jésus accomplit en ce jour-là. Le jour de la nouvelle naissance, c'est donc ce dimanche, jour sacré pour nous. Tout recommence en Jésus-Christ, comme le dit un chant liturgique. En ce jour qu'il faut sanctifier, que chaque chrétien doit sanctifier. Frères et sœurs en Christ, comment vivons-nous le dimanche? L'Eucharistie dominicale est-elle pour nous une priorité, de telle sorte que nous faisons tout pour ne pas rater la messe du dimanche? Il est vrai qu'actuellement nous vivons des moments difficiles avec des restrictions liées à la pandémie en cours. Dans certains pays, des églises et des lieux de culte sont encore fermés, et ce depuis plus d'un an. Des chrétiens se sont habitués à ne plus aller à la messe, même quand leur paroisse est finalement ouverte. Et ceux dont les paroisses sont fermées ne sont pas toujours amenés à faire des efforts pour trouver des églises à côté pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Demandons au Seigneur cette grâce de toujours sanctifier le dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection. Demandons-lui la grâce de comprendre le vrai sens de ce jour de la nouvelle naissance. Que le Seigneur nous donne cette grâce de toujours renaître en lui. Et que ce jour particulier où toute sa communauté est convoquée par lui, et rassemblée par lui, que ce jour soit une occasion toujours favorable pour nous pour le rencontrer et toujours pour annoncer sa résurrection. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.